Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 7 décembre. Parmi les titres développés ce soir, quand les établissements de nuit se réinventent pour tenter de continuer à exister après 9 mois de fermeture, ce sera l'exemple dans ce journal. Les plateformes de tri de colis débordent, les achats sur internet se multiplient en cette période particulière. Nous irons du côté de la plateforme aéroportuaire de DHL à Mérignac. Enfin, nous irons dans le sud Gironde où se développe l'éco-pâturage urbain ou quand les moutons remplacent les machines. La météo pour ce mardi entre nuages matinaux et éclaircies éparses. L'après-midi, le temps reste incertain sur la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, il fera entre 5 et 11 degrés l'après-midi. Mais pour débuter ce journal, les derniers chiffres du Covid-19 dans la Nouvelle-Aquitaine et le ralentissement de l'épidémie qui se confirme sur la région. Le taux d'incidence est toujours en baisse dans l'ensemble des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. 74,3 cas pour 100 000 habitants, c'est le nouveau taux d'incidence. Les hospitalisations, elles, connaissent par contre une nouvelle hausse ce week-end après plusieurs jours consécutifs de baisse. 1331 hospitalisations sont en cours dans la région. Survivre à la crise est un véritable défi pour les boîtes de nuit fermées depuis 9 mois. Musique, cocktail, DJ, invité, la boîte de nuit Le Monseigneur à Bordeaux organise des soirées en live sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux d'ailleurs qui sont le dernier lien qui unit les professionnels du monde de la nuit à leur clientèle. Reportage avec Bénédicte Dohain sur ces soirées 2.0. Contrairement aux apparences, ce DJ anime une soirée en direct sur les réseaux sociaux. Une soirée à distance qui séduit les habitués nostalgiques du Monseigneur. Ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'on a beaucoup de commentaires positifs, on est beaucoup soutenus. Et c'est vrai que dans cette période compliquée, parce que honnêtement, c'est pas facile. Ça fait 9 mois, je me répète, mais 9 mois c'est long, sans aucune activité. Donc c'est vrai que j'ai des très bons retours, même si les gens ne suivent pas le live. Ils nous laissent des messages pour nous soutenir. 9 mois que les 14 employés du Monseigneur sont au chômage partiel. Une éternité pour ces professionnels du monde de la nuit. Reprendre ses habitudes le temps d'un live est alors une délivrance. Ça fait un bien fou en fait de pouvoir communiquer avec les gens, même si c'est via au réseau, ça fait du bien. Et on garde un lien avec la clientèle, mine de rien, qui est hyper important pour nous. Parce qu'actuellement, c'est hyper compliqué de garder un lien, surtout dans les établissements de nuit par rapport à l'extérieur. Donc ça nous fait revivre et ça fait passer un bon moment à tout le monde. Un bon moment qui éclipse un instant la situation financière catastrophique de l'établissement. Privé de clientèle depuis le 14 mars, survivre à la crise est un défi. On a perdu 5 ans de travail acharné, quoi. On a tout perdu. Depuis le départ, on est fermé. Donc voilà, on a de la trésorerie, mais cette trésorerie, elle part en fumée. Il faut qu'on soit aidé. Au total, on compte 1600 boîtes de nuit en France. 300 d'entre elles auraient déjà mis la clé sous la porte. Rouvrir les boîtes de nuit, ce serait une folie. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une interview aux médias bruts ce vendredi. Il plonge un peu plus les professionnels du monde de la nuit dans l'incertitude. Le représentant régional du syndicat des discothèques et lieux de loisirs était sur notre plateau ce matin. Pour Laurent Dantès, il faut que le vaccin permette une réouverture des boîtes de nuit au plus vite, sans quoi le secteur court à la catastrophe. On l'écoute. Quand on voit les mots du président de la République, on va dire, la semaine dernière, on comprend qu'on n'est pas du tout prêt à ouvrir. Donc non, moi je pense que maintenant, notre seul espoir maintenant aujourd'hui, c'est la vaccination qui devrait commencer fin décembre, en espérant que cela adhère au niveau de la population et qu'on ait des bons résultats pour espérer une réouverture, on va dire, au printemps. Avant l'été prochain, on espère. Aujourd'hui, on espère avril-mai, en tous les cas. On est dans une situation économique aujourd'hui et financière sur l'ensemble des établissements. Ou si on n'ouvre pas, au printemps prochain, je pense que le monde de la nuit, on va dire, et des discothèques va réellement souffrir. Voilà, en bref, samedi après-midi, sur la ligne TER entre Bordeaux et Agen, un homme a agressé les passagers. Il a récidivé le dimanche matin. Il n'a pu être interpellé. Les agents de contrôle ont exercé leur droit de retrait, demandant plus de sécurité à la direction sur ces lignes TER. La direction qui, cet après-midi, a accepté de mettre en place 2 contrôleurs sur la ligne Bordeaux-Agen, mais aussi la présence de la police ferroviaire. Elle maintient cependant les sanctions financières à l'encontre des agents ayant exercé leur droit de retrait.
Les ventes sur Internet, en revanche, ne connaissent pas la crise entre confinement et les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. L'année 2020 devrait atteindre des records de trafic pour l'entreprise de transport international DHL. Cela se traduit par une augmentation de 17% du nombre de colis qui vont transiter par la Nouvelle-Aquitaine au mois de décembre. Immersion sur la plateforme de tri à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac avec Franck Poirot. Avec un trafic prévisionnel de 220 000 colis, l'activité du centre DHL de Bordeaux-Mérignac devrait enregistrer une hausse de 36% par rapport à la même période en 2019. La proximité des fêtes, doublée avec le confinement, ont fait exploser le trafic de colis transportés à l'international par DHL. Tous les matins à 7h30, un avion de la compagnie en provenance de Bruxelles se pose à Mérignac. Il transporte des colis venus de toute la planète. Ces colis doivent être déchargés et triés pour être réexpédiés par route le plus rapidement possible sur Bordeaux, la métropole, la Gironde et 5 autres départements limitrophes. Pour faire face à cette hausse de l'activité, la plateforme aéroportuaire girondine de DHL a dû recruter 9 agents de quai supplémentaires en CDD pour ce mois de décembre. Ce trafic de colis devrait augmenter de manière régulière dans les jours à venir. Le pic d'activité est attendu pour le 17 décembre prochain. Oui, c'est le pic d'activité parce qu'après les gens commencent à moins commander. Donc ça va être le vendredi 17 où on estime à peu près 13 000 colis qui vont arriver pour la journée. Contre combien habituellement ? Entre 7 et 8 000. L'agence DHL de Bordeaux-Mérignac a recruté 8 chauffeurs supplémentaires pour le mois de décembre. L'effectif se monte à 46 personnes aujourd'hui. Avant le début de la pandémie, en mars dernier, 2/3 des colis transportés par DHL étaient issus d'entreprises, 1/3 de particuliers. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. À la fin de l'année, 1,85 million de colis auront transité par la plateforme bordelaise de ce transporteur. C'est 23% de plus par rapport à 2019. DHL prévoit une hausse de 8% de son activité par an en Nouvelle-Aquitaine sur les 3 prochaines années. Orientation budgétaire 2021 au programme des débats ce lundi au Conseil départemental de Gironde. Un budget de 1,87 milliard d'euros malmené par la crise sanitaire avec une explosion des dépenses liées notamment au RSA. Des investissements maintenus à hauteur de 270 millions d'euros grâce notamment aux 40 millions d'euros accordés par l'État dans le cadre du plan de relance. La Gironde étant le premier département à contractualiser cet accord jusqu'en 2022. Nous allons perdre cette année 2020 à peu près 100 millions d'euros entre la perte des recettes et la montée des dépenses. Donc nous avons besoin d'argent pour nous aider à continuer à investir sur des programmes déjà existants, les collèges, la fibre optique, etc. Et donc ces 40 millions d'euros décrochés avec force négociation auprès de l'État et avec Madame la Préfète nous permettent aujourd'hui de garantir ces investissements. Nous aurions certainement pu y parvenir dans le temps, mais en étalant beaucoup les investissements. Or aujourd'hui, les collégiennes et collégiens arrivent en Gironde, il faut absolument les accueillir. Et donc c'est cet argent qui nous revient de l'État va nous permettre de maintenir le calendrier que nous avions envisagé au départ. C'est un engagement que j'avais pris en 2015, le fait de garantir 1 milliard d'euros d'investissement pour la mandature, parce que c'est faire travailler le monde économique, garantir de l'emploi et des services aussi aux Girondines et Girondins. Et donc ce milliard d'euros aujourd'hui sera largement atteint via les investissements que nous allons voter pour 2021. Voilà, les élus qui ont rendu un hommage à l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est éteint la semaine dernière en début de séance. Depuis 2016, Jean Luglaize, le président du département de la Gironde, milite en faveur de l'expérimentation du revenu de base. Un projet de loi, d'ailleurs, a été déposé en 2018. Depuis le 5 décembre, il a été rejoint par 24 autres présidents de département pour lancer l'expérimentation sur leur territoire à l'image de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne et de la Haute-Vienne, un sujet sur lequel nous reviendrons dans la matinale avec Raphaël Orenbuch, le président du département de la Gironde, Jean Luglaize, mais aussi Jean-Claude Leblois, le président de la Haute-Vienne. Il pourrait peut-être s'agir du premier cas de grippe aviaire dans un élevage français cette année. 6500 canards d'un élevage de Bénesse-Marennes dans les Landes vont être abattus dans les prochains jours. Il pourrait être porteur du virus de H1N1. En attendant les résultats d'analyse, la préfecture a également délimité une zone de contrôle temporaire couvrant plusieurs communes autour de cet élevage. Et des moutons plutôt que des machines pour entretenir les espaces verts. De plus en plus nombreuses sont les communes à faire ce choix. Ce sera désormais le cas aussi à La Réole, dans le sud Gironde, où l'éco-pâturage urbain sera la norme. Le fruit d'une belle rencontre entre un jeune berger passionné et une municipalité motivée. Dominique Parmentier l'a rencontré. Allez, filles, on descend. Allez.
C'est sous une pluie battante et non sans mal que Félix décharge ce matin-là 4 nouvelles brebis dans un hangar de la Réole, gracieusement prêté par les propriétaires, où elles vont passer l'hiver à l'abri après avoir mis bas. Fils d'un viticulteur du Blayais, ce jeune berger n'a pas hérité de la passion de la vigne. C'est l'élevage depuis tout petit, je suis passionné par l'élevage. J'ai commencé les premières brebis en 2014, où mon grand-père en avait déjà, et depuis tout petit, il y a des brebis sur l'exploitation de mon père. Au total, ce sont 20 bêtes qu'il va ramener de Saint-Mariens, ici, à la Réole, où il a décidé de s'installer avec sa compagne, avec surtout l'appui de la mairie. Samedi matin, quand il est venu avec son ancien professeur, qui est directeur du centre formation agricole, et qui nous a parlé de son projet, qui vous souhaitait s'installer sur la Réole. Et nous, en même temps, on cherchait quelqu'un qui soit en capacité à faire de l'éco-pâturage. Et en plus, un poste se libérait sur la ville de la Réole. Donc, on lui a proposé à la fois de l'embaucher sur la ville de la Réole et de l'accompagner sur l'installation. Et moi, quand j'ai rencontré Félix, j'ai vu en lui la petite flamme dans les yeux qui m'a fait tilt. On a trouvé ce bâtiment et je l'ai accompagné aussi sur le volet administratif. C'est un jeu gagnant-gagnant et qui donnera une belle image aussi sur la ville de la Réole, puisque 20% de son temps sera lui attribué par la ville de la Réole pour aussi faire un travail pédagogique auprès des élèves. Par exemple, quand il y a les agneaux qui sont là, s'il y en a à faire téter au biberon, leur donner les biberons. Et aussi pour la transhumance, parce que l'objectif, c'est sur les 15 hectares qui sont un peu disséminés partout dans la ville, qu'ils puissent traverser la ville avec ces brebis. Il faudra attendre le mois de mars pour voir passer les brebis dans les rues de la Réole et brouter l'herbe de la piscine municipale, des terrains de football ou de tennis de la ville. Et sous surveillance, la qualité des eaux, c'est le cas depuis plusieurs années maintenant, notamment autour des exploitations agricoles qui se trouvent à proximité des lacs Médocains en Gironde. Reportage de Julien Lestage. Et là, nous nous trouvons devant un bassin de zone tampon où on en a fait 4 sur le domaine qui servent à dénitrifier les eaux de drainage. Donc, opération effectuée, la première lagune où on est derrière nous, donc depuis 2011, et une construction d'une dernière lagune en cours de construction en ce moment. Donc ces bassins qui retiennent l'eau, ils ont quel objectif principal ? Donc l'objectif, c'est de concentrer toutes les eaux de drainage par des zones tampons afin qu'elles se dénitrifient naturellement. Nous sommes à quelques kilomètres des lacs Médocains. On se trouve à 10 km du lac Ourtin-Carcan, Lacano, et donc il faut absolument préserver ces eaux-là, et donc c'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec le CIAP Velgue depuis 2010. Nous, on est ici pour suivre la qualité des eaux en partenariat avec les exploitants agricoles et puis aussi avec les collègues de l'Université de Bordeaux qui font pour nous toutes les analyses. Donc ici, on mesure principalement les nitrates et les phosphates en amont du bassin versant pour préserver la qualité des eaux des lacs Médocains, donc Ourtin-Carcan et Lacano. Et donc c'est vrai que ce type d'opération, depuis une dizaine d'années, a très bien fonctionné. On a vu les teneurs, en particulier en nitrates, qui ont été divisées par 2, donc c'est un effort conséquent. Alors qu'est-ce que vous avez pu observer sur la qualité des eaux du lac La première constatation, tout le monde a pu le voir sur les lacs Médocains, qui étaient des lacs plutôt d'eau trouble. On voyait à peine à 1 mètre de profondeur. Donc on a vu depuis 2010-2012 une forte augmentation de la transparence. Maintenant, on voit à plusieurs mètres de profondeur, tant à Carcan-Ourtin qu'à Lacano. Ça, c'est un des effets indirects de l'amélioration de la qualité d'eau sur le secteur, grâce aux travaux entrepris avec les exploitants agricoles, tant sur des bassins tampons, comme on voit derrière nous, que sur les pratiques de fertilisation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le sport sur TV7 avec Bastien Loquet et Mathieu Dalzovo. Une émission spéciale ce soir. Ils reçoivent Christophe Urios, le manager général de l'Union Bordeaux-Bègles, à ne rater sous aucun prétexte. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.